Dans l'épisode précédent, Emanuela, Yolande et Stéphanie ont quitté l'aventure. Et à présent, 12 candidats sont encore en lice. Le grand gagnant du défi Gourmandina saison 5 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile d'Inor pendant un an et la somme d'un million de francs CFA. C'est une histoire d'amour, la cuisine. D'ailleurs, c'était quand la dernière fois que vous avez cuisiné quelque chose de spécial pour un être cher? Pour cet épisode du défi Gourmandina, les participants laisseront parler leur cœur. Ils auront à sublimer nos produits locaux pour créer du bonheur en bouche et peut-être pour provoquer chez les membres du jury quelque chose qu'on pourrait appeler comme de l'émoi culinaire. Enfin, je m'arrête ici. Je sens que cet épisode va être épicé. Au fait, de part d'autres, ce sont mes parents. Elle se masse gourou. Elle se masse gourou. Non, tu n'es plus gourou. Je ne suis plus gourou. Donc, vous disiez tout de suite là, c'est non, ça. Non, je moi. Parle, oui, mais il ne faut pas te faire. Et si dans les jurys là-bas, là, il y a un qui voit qu'un gourou là, c'est pas son. Faut pas la mettre dans les problèmes. Impossible de bouder ses petits plaisirs, surtout quand on en a l'occasion. Mais l'annonce de la nouveauté, à savoir le maître du temps, ne va pas plaire à plus d'un. En effet, les candidats procéderont à un tirage au sort pour désigner le maître du temps, qui bénéficiera de 15 minutes. À son tour, il désignera un autre candidat, qui lui également fera un tirage au sort, au risque de perdre 15 minutes ou de maintenir son temps. Alors tu es notre maître du temps. Comment tu te sens? Je suis contente, plus 15 minutes. Christelle, alors qui tu vas choisir pour le second tirage? C'est très difficile. Je vais désigner Christiane. Je m'attendais bien à ça, vu que son regard était porté vers moi. Donc, on va relever le défi. Bravo! Alors, Christiane conserve son temps. Bravo. Je dirais la chance a joué à mon tour, donc on y va. Chers amis, cuisiner, c'est avant tout faire plaisir. Encore plus lorsqu'il s'agit d'un être cher. Pour cette épreuve, j'espère vraiment que votre cœur bat la chamade. Vous en aurez bien besoin pour faire fondre le cœur du jury. D'ailleurs, comme dit Jay-Z, enjaillez-les. Vous aurez pour cette épreuve une heure. Christelle, tu es maître du temps sur cette épreuve. À toutes et à tous, je vous souhaite bonne chance. Top, c'est parti. Première étape, direction le marché. Récupérez tous les ingrédients nécessaires à la préparation du plat qui va faire la différence. Vous êtes de retour du marché, vos paniers sont bien pleins. J'espère que vous arriverez à livrer votre meilleure cuisine pour toucher le cœur du jury. Je souffle sur vous un vent de chance et d'amour. 1, 2, 3, cuisinez ! C'est avec beaucoup d'entrain que nos amoureux se lancent dans cette épreuve piège. Ils ont intérêt à être très inspirés, car épater une personne chère à notre cœur avec seulement un plat peut s'avérer être une autre paire de manches pour nos candidats qui semblent avoir une dette envers l'amour. Et ils devront la payer ce soir. Moi, c'est Mademoiselle Loanée Marie. Ma passion pour la cuisine vient de ma mère. Il m'a tout appris. Mes atouts pour ce concours, c'est d'abord ma façon de présenter les plats. Le goût, déjà l'assaisonnement, équilibré, tout bon. Rappelons que nos candidats seront jugés selon trois critères, le goût, le dressage et la propreté du plat.
ça doit venir du cœur. Je me nomme Karamoko Mariama. Il faut dire que d'abord, je compte sur moi-même, j'ai confiance en moi. Ce n'est pas pour me vanter, mais je dirais plutôt que je suis la seule cuisinière à la maison. C'est moi qui fais le photo de papa, c'est moi qui prépare pour mes petits frères, je suis à la tâche de tout le monde. J'ai eu même à préparer pour des amis, pour des anniversaires. Je ne fais pas comme professionnelle pour vendre, non. Selon eux, je suis un cordon bleu, donc du coup, je me dis qu'avec tout ce parcours pour la nourriture, pour les gens que j'ai préparés, qui ont aimé, qui me font confiance, voilà, c'est en cela que je suis là. Voilà, pour donner le meilleur de moi. C'est au tour des juges, impatients de voir si leurs conseils ont été pris en compte. Alors, comment on va? Tu as commencé? Ouais. Tu as pris quoi? Du riz, de la sauce, c'est quoi? Riz à la sauce claire? Oui. Tu es sûr que ça va? Oui. C'est ce que? Oui. C'est ce que ma mère aimait bien. C'est que ta mère aimerait bien à manger? Oui. Elle aimait bien, ok, d'accord. J'espère que tu vas lui faire plaisir. Oui. Oh? Oui, oui. Ok, d'accord. Je veux faire un poisson. Mm-hmm. Mis dans de l'eau tiède et tout ça, pour que ça ait du goût, avec des pommes de terre panées et tout ça. Le poisson, tu prépares ainsi de suite, mais tu sais que le poisson, c'est un truc délicat, non? Oui. Le mettre déjà dans l'eau chaude, déjà, il perd de sa qualité. Mm-hmm. Et le cuire encore devient. Donc, l'assaisonnement, fais attention à l'assaisonnement. D'accord. Hmm? D'accord, chef. Et ton petit chéri, il va bien? Il va bien. Fais-lui un petit coucou à la caméra. Coucou. Voilà. Elle a intérêt à bien préparer, hein. Sinon, hein. Dehors. Big Chief, on dit quoi ici? Ça va. Ça va, ça se passe? Oui. Waouh, qu'est-ce que tu nous prévois? Des crabes à la persillade avec la purée de patates douces. C'est bien ça. C'est un plat d'amour, oui. À base d'amour. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire? Une purée de pommes de terre au curry. Et on va appeler ça les crustacés de la mer amoureux. J'ai pris une poulpe, pris une poulpe et des gambas. Ah oui, j'aime bien, j'aime bien. Je vais essayer de faire ressortir l'amour dans ton plat. Oui, l'amour dans le plat. Ah, tu me plais, du point de vue dressage, avouons que Willy a une bonne longueur d'avance sur les autres. Il est quasiment prêt. Bonjour à tous, je suis Willy Ba. Particulièrement, je n'ai pas fait de formation. J'ai été inspiré par un meilleur ami qui est cuisinier. Et c'est lui qui m'a un peu briefé sur la cuisine. Et surtout que, étant petit, j'aimais beaucoup la cuisine. J'aimais beaucoup faire à manger pour ma tante. Et c'est de là que mon envie d'être cuisinier un jour est venue. Pour gagner, je compte sur ma créativité et mes doigts magiques. J'aimerais m'adresser aux filles et leur dire de rester sereines. Parce que les autres éditions, c'était les filles qui remportaient. Et cette année, qu'elles se mettent en tête que ce sera un homme qui va remporter cette victoire. Donc, qu'elles s'attendent à moi aussi. Les amoureux, les amoureuses, ils n'aiment pas attendre. Il faut être à l'heure au dîner. C'est un dîner d'amour. Dans 30 minutes, hein, je vais tomber amoureux aujourd'hui. Maître Gims. Vous serez amoureux, chef. Hey! L'amour n'a pas de limites. Mais cette épreuve, si. Il ne vous reste plus que 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. On ne touche plus à rien. Je veux voir vos mains en l'air. Et vous applaudir. Sauf Christelle, maître du temps, qui laisse parler son amour, sa cuisine, tout se passe bien. Oui. 15 minutes pour toi. Ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Oui. Tu as besoin de t'exprimer plus. Exactement. Ton amour a quelque chose de plus profond. Il est trop grand. Il est trop grand. Les 15 minutes supplémentaires de Christelle joueront-elles en sa faveur? Bon,
David, comment c'était cette épreuve? C'était vraiment chaud. Qu'est-ce que tu as cuisiné? J'ai fait de la sauce claire au riz. Puisque le thème était porté sur l'amour, moi j'ai plus pensé à ma mère. Et j'ai voulu lui rendre hommage vu qu'elle n'est plus aujourd'hui. Alors, à la base, ma mère est quelqu'un qui ne mange pas tout ce qui est frais. Je vais citer de la viande fraîche, du poisson frais et autres. C'est tout ce qui est fumé qu'elle mange. Parce qu'après, quand elle mange la nourriture avec la viande fraîche ou le poisson frais, elle a des allergies. Et cela l'a conduit deux fois à l'hôpital. D'accord. Voilà, donc c'était pour éviter cela que j'ai fait la sauce claire. Et je le fais avec beaucoup d'amour. C'est à toi l'honneur, comme bon. C'est l'amour des femmes d'avoir. Oui, oui, bon, ça me parle un peu déjà. Il n'y a rien qui déborde. C'est simple, c'est sobre. Maintenant, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal. Quand je vois du poisson, je vois du citron. Tomate, ah oui, rien à voir. Ça, par contre, oui. Ça, pour moi, j'annule ça déjà. Oui, oui, parce que cette tomate n'a pas sa mais place. Ça aurait été mieux. Bon, allez, donc, je goûte déjà la sauce. Hein. C'est une sauce aux petits pois. La pomme de terre n'est pas mal. Le poisson est bon. Oui, mais il y a une technique. En fait, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, en fait. Elle a fait, c'est un genre dauphinois. Ouais. Parce que, tu vois, au milieu, là, le fromage, la crème. Ouais. Non, je pense. Il y a de l'avenir avec elle. Christelle. Très belle assiette pour moi. Le jacques de citron avec le poisson. Bonne idée. Oui. Voilà. Il y a une certaine maîtrise, quand même, dans son dressage. Mais moi, j'ai un petit souci. Oui, oui, oui. Lequel, là? Quand on dit riz au beurre, on veut voir le riz, mais on veut sentir le beurre. Ouais. Bah, visuellement, je sens qu'il n'y a pas assez de beurre dedans. Ça doit briller plus. Il manque le petit éclat qui fait que... Tu trouves, hein? C'est un peu trop simple. Moi, par contre, je trouve que ça brille. Et je me dis, un peu plus, ça aurait fait trop. Le goût, je sais qu'elle, il y a le goût. Pour dire, les candidats, ils ont du goût. Mais la décoration, le visuel, c'est vraiment simple. Ouais, c'est trop simple. C'est genre, je t'aime. C'est sobre. C'est genre, je t'aime. C'est pas, je t'aime très fort, je t'aime beaucoup. Je t'adore. Bon, vous c'est avez genre, entendu. Je t'aime, tiens. Sorry, il est bien. Oui, on sent. On sent le salé sucré. On sent le gingembre. On sent le miel dans sa sauce. Ça va parce que c'est cristal. Hein. Non, c'est pas parce que toi, c'est Goris, cristal. Fais attention. On va te filer un piment. Je suis désolé pour elle, mais moi, c'est le genre de truc là, que je... À ce stade-là. Ouais. Je pense qu'elle a été, si je me rappelle bien d'elle, elle a été la meilleure pour Jay's la semaine passée. C'est elle qui a fait les pâtes ouais. Retournées. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est de sa faute. Moi, j'ai l'explication. Yeah. Ça, c'est un plat de goumen-goumen. Elle s'en fout. Il n'y a pas d'amoureux, il n'y a pas d'amoureuse, il n'y a rien. Ça, c'est un plat, je m'en fous. Je mange moi seul. C'est pas possible. Tu n'as pas invité quelqu'un à manger ton âme chérie à venir, mais elle sait qu'elle ça, est seule. Même chérie, elle même là. Même. Ta copine même vient même là. Non, et ça, c'est un plat de goumen. Non. Voilà. Là, je vais prendre la parole en premier. Vas-y. Go ahead. Il me plaît. On tu sens qu'il y a de l'amour. Et puis, il y a la technique. Il a utilisé le pinceau. Ouais. Ça, c'est les grands chefs qui utilisent le pinceau pour décorer, pour décorer les assiettes. Et ça, c'est techniquement, c'est bien. C'est bien présenté, la couleur. C'est... Sur une assiette noire, la couleur, il a su faire ressortir les couleurs. Mmh, vraiment, chaud. Merci. Merci, William. Oh. La cuisson des gambas est parfaite. Là, légumes croquants. Et bien assaisonné. T'es un chef. Non, c'est un chef, lui. William, je suis amoureux de toi. Attention. C'est trop bon. De ta cuisine, en fait. Pas toi personnellement, mais de ta cuisine, je suis amoureux. Faut bien préciser. Faut pas t'être trompé. Hein. Elle a pris le risque. Oui. C'est bien. Moi, c'est je suis bien. Content. C'est bien. Le petit cœur qu'elle a fait, voilà, et elle a respecté le thème. Oui, oui. C'est le cœur, voilà, citron. C'est important. Oui, c'est ça. Non, maintenant, il y a un truc, je ne sais pas ici, mais... Le riz aux langoustes, par contre, je ne sais pas légumes, trop ce que ça légumes, donne. Riz aux légumes, mais riz aux langoustes. Bon, on va goûter. Ah, chef, tu as tout mangé. Nous, on goûte comment? Il y en a, hein. Vas-y. Ça tient un peu salé quand même, mais bonne crème. Ah, les langoustes, ça part. Ouais. Le riz est bon. Il y a de l'amour dans ce plat. Il y a de l'amour. Alors, Honora, d'après ses explications, sa chérie adore les crabes. Je pense qu'il a pris des risques. Oui. Mais il a respecté, en fait, le plat que... C'est un plat d'amour, en fait. Donc, tu dois faire ce que ta femme ou bien aime. Ta chérie, ou bien ton chéri, je ne sais pas... Apprécie. Apprécie, aime le plus. C'est simple, classique, mais propre.
Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il aurait pu prendre classiquement, comme on dit, le crabe fait une sauce. Voilà, non. Moi, le crabe avec la purée, ça, c'est la première fois. Hein, ouais, moi aussi. Pour moi, personnellement. Avec, comme il a appelé sa sauce persillade. Mm-hmm. En fait, c'est pas une purée, c'est un écrasé, mais c'est très bon. Écrasé. Très bon. Par contre, j'aime sa persillade. Il a fait avec du dard. Ouais. C'est pas du persil. Ouais, c'est pour ça qu'il y a ce goût un peu aigre. Il dit une persillade parce que c'est vert. Mm-hmm. Ah, mais c'est bon. Très original. Mm-hmm. Bon, Audrey, amélioration. Franchement, oui. Elle nous avait fait une déco à l'huile, si vous vous souvenez, la semaine dernière. Ouais. Là, déjà, rien ne déborde. Tout est bien centré, bien structuré. C'est ce qui me plaît. On dit un plat amoureux. Mm. Il y a deux gambas. Ça a un plat qui se mange à deux, en fait. Ben elle voilà. a communiqué l'amour. C'est, comme on dit toujours, les bonnes choses sont tellement simples. Simples. Sont tout la simplicité. Et là, c'est... Sobriété. Ouais. Maintenant, bon, on va voir le goût quand même. Ouais. Mais bon. Et quand Chef Jazz passe, là, il n'y a plus de gambas. Teste le piment, on va voir comment c'est. Oui, moi, c'est le piment, je vais tester. Ah, il y a piment, non? Oui, voilà. Il y a piment. Ah, le piment, ouais. Le piment est bon. Mm-hmm. Le plat est bon. Ouh! Le piment, le piment est... là, il est presque à froid. Hein. Ça, c'est un vrai piment. Hein. Mmh. Ouf, piment garçon. Mr. David. Ouais, David, il aime une femme. Il aime sa maman. Ouais. Ça sent la famille. Hein. Oui, c'est vraiment un plat que sa maman mange à l'apprécier. Mon fils, tu peux pas venir. Hein. C'est trop bon. Il aime sa mère, c'est tout, ça se voit. C'est bon, mais il manque l'assaisonnement. Ouais. Un peu fade. Peut-être le poisson a relevé le goût. Mm-hmm. Et c'est dit comme le poisson est salé déjà. Si je mets, ça aurait peut-être, tu vois. Non, mais peut-être aussi le goût de sa maman. À force de cuisiner ça pour elle. Hein. Ouais, mais c'est nos parents n'aiment pas le sel. Oui, surtout à cause de la tension. Mm-hmm. Donc. S'il l'a fait dans l'esprit de. Oui, sa maman, elle n'aime pas le sinon, sel. Sinon, il y a le goût. Hein. C'est top. C'est typiquement ivoirien. Mm-hmm. Et viens-y. Tu n'échapperas pas. Si c'est fin. Oui, tu vas jamais maigrir. Hein. Oh, toi, tu ne veux pas parler de moi. On ne fait pas confiance aux chefs qui sont minces. Hein. Toi, on t'aime comme ça. Ça veut rien dire. C'est bien dit. Et mange dans le plat des clients. Ah, elle aurait pu mieux présenter le couscous, mais bon. Le seul truc qui me plaît, ça c'est ça. Ça a l'air bon. Voilà, moi, la brochette, oui. Très belle couleur. Ouais. Et puis, l'originalité. Oui, c'est pas comme on fait d'habitude. Là, là, elle a changé un peu. Je sens que tout est bon. Le couscous, il est bon. Les légumes sont croquants dedans. C'est bon. C'est très bon. C'est pas mal présenté. Gambas à tchéké, bon, je comprends pas trop les rondelles de concombre, mais moi, j'aime bien la... La consistance de la tchéké. Elle a la main amoureuse. Hein. On dit l'amour, mais quand non, même... Non, ça, c'est pas main amoureuse. Déjà trop cuit, les gambas? C'est trop cuit, voilà. C'est du travail. Ouais, de la finesse. Et il a pensé que sa chérie aime les têtes. Parce que moi, j'aime bien manger la gamba, j'aime bien croquer la tête. Ben oui. C'est là-bas, il y a tout le goût. Il a pensé ça. Les gens jettent, mais lui, il a utilisé. Mais c'est super. Par contre, il a fait le même riz que la semaine passée. Hein? À cause de la couleur, je pense. Pour faire ressortir. Mm-hmm. Par exemple, riz blanc, c'est un peu trop blanc. Moi, en fait, j'aime les fruits de mer avec un peu de piment. Quelque chose qui relève, en fait. Donc là, ça passe, quoi. Marina, tu as un peu de désordre dans l'assiette, là. Tu veux pas que ton chéri grossisse, hein? C'est diététique. Trop de fioritures. La purée attire, quand même. Ça a l'air... Elle est très bonne. La purée est bonne. La sauce, pas terrible. Chers amis, pour cette épreuve, il vous était demandé de préparer avec votre cœur. Laissez parler l'instinct le plus fort en vous. Peut-être en cuisinant pour l'être cher. Dans vos yeux, dans vos têtes actuellement, le visage d'une personne, un prénom peut-être. Mais à cette étape-ci, deux d'entre vous vont quitter l'aventure. Vous étiez 12, vous ne serez plus que 10. Nous allons procéder maintenant à cette étape-ci que vous appréhendez tous, le lever des boîtes. Nous allons commencer par ma droite. Je me tourne vers vous et dans ce groupe, il y avait le maître du temps. Christelle, c'était toi qui avais cet avantage. J'espère que tu en as usé. Tous les autres, j'espère aussi que vous avez pu profiter du temps qui vous était apparti pour livrer le meilleur de vous-même. Je vais maintenant vous demander de faire un grand pas en face de vos boîtes rouges. En prenant une bonne inspiration, je vais vous souhaiter bonne chance. Merci de poser vos mains aux extrémités de vos boîtes rouges sans les déplacer. Et à mon décompte seulement,
Jusqu'à 1, vous lèverez en même temps ces boîtes rouges. Si à l'intérieur se trouve une bouteille d'huile d'inor pleine, c'est que l'amour vous aura souri. Par contre, si une bouteille d'huile d'inor vide se trouve à l'intérieur de cette boîte rouge, ciao, l'aventure s'arrête pour vous. Je commence mon décompte. 3, 2, 1, levez vos boîtes. Je suis en partie d'accord avec les résultats des membres du jury parce que déjà moi-même là, visuellement même mon plan ne me plaisait pas. Parce que c'est pas ce que je voulais faire du tout, du tout, du tout. C'est pas ça. Je voulais tellement bien faire. En tout cas, j'ai raté, sincèrement. Je quitte l'aventure la tête haute, très très haute, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc ça m'a permis de faire quelque chose d'autre, rencontrer, apprendre. Et puis pour m'améliorer, on finit pas de s'améliorer. Marie, je ne doute pas sur ton amour, mais je pense que les membres du jury, eux, ont douté de ta prestation. La bouteille d'huile d'inor est vide, ce qui veut dire que tu nous quittes. Je me tourne maintenant vers ce groupe-ci. Et pareil, vous allez devoir vous prêter à cet exercice. Je vais vous demander de faire un grand pas devant vos boîtes rouges. Je vais commencer mon décompte maintenant en vous demandant de poser délicatement vos mains aux extrémités de vos boîtes rouges sans les déplacer. 3, 2, 1, levez vos boîtes. Sincèrement dit, cuisiner en termes d'amour, c'est bon, mais quand on n'a pas les idées, disons, à sortir avec le thème, c'est un peu compliqué. J'avais pas d'idée, du coup, j'ai fait quelque chose qui me passait par la tête. Là, je sors de la compétition, c'est pas mauvais. Au stade où je suis arrivée, il faut dire que ça a été une erreur un peu banale. D'autres auront trouvé que, puisque chacun a son jugement, que c'est bien, les jurons ont décidé autrement, donc on peut pas, voilà. L'aventure s'arrête ici pour toi. Tu as tenté de donner le meilleur de toi-même, mais semble-t-il que ça a été insuffisant pour les membres du jury. Mariama, tu nous manques déjà. Mais en tout cas, ton parcours est à saluer et on t'applaudit. C'est avec un pincement au cœur que les autres candidats voient leurs camarades rendre leur tablier. Goris, nous sommes maintenant avec ces deux candidates qui nous quittent. L'épreuve du jour était de laisser parler l'amour. Donnez-nous une impression générale de ce rendez-vous de l'amour avec leur cuisine. Vraiment, on a eu beaucoup d'amour aujourd'hui. Le niveau, il est top depuis le début. Alors, on dit souvent au quartier, c'est pas l'amour, on mange. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes intéressé à ce qu'ils vous ont proposé dans le plat. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec eux? Déjà, je te dis félicitations pour ton parcours, parce que c'était pas évident d'être là. Ton plat, le riz, il n'était pas bien présenté déjà. La sauce, tu as abusé de la poudre de crevettes. Voilà, il n'y avait pas de goût dans la sauce. Alors là, c'est des trucs qui ne pardonnent pas. Mariama, toi aussi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Elle se retrouve ici, c'est que l'amour n'a pas été au rendez-vous. Au niveau du palais des... Elle a trop aimé, je pense. Elle a trop aimé. Son plat était beaucoup salé. Ah. Et voilà. Son plat était beaucoup salé, tout était trop cuit. Goris, elle nous parlait de ces carottes qui étaient juste là pour décorer et non pas pour être mangées. Quelle appréciation vous pouvez porter justement? Est-ce qu'il faut mettre ces choses dans les assiettes ou il ne faut pas les mettre? Moi, quand quelque chose n'est pas à manger, je ne la mets pas dans l'assiette du client. Quand tu fais du poisson, tu peux mettre du citron. Mais tu ne fais pas du poisson, tu mets des tranches de tomates autour, non. Merci infiniment, Goris, pour les commentaires portés auprès de nos deux candidates qui nous quittent à cette étape-ci. Bonne chance pour la suite, c'est clair que vous ne devez pas abandonner. Chers amis, vous aurez compris que aimer beaucoup, passionnément à la folie, peut parfois nous porter préjudice. En tout cas, dans ce concours, il était question de pouvoir
faire parler votre amour pour cette cuisine, la proposer aux membres du jury. Insuffisant pour elle, l'espoir pour les autres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le défi Gourmandinor avec d'autres épreuves. Au revoir. Soyez au cœur de l'aventure Dinor grâce à la dernière innovation proposée par votre marque préférée, le QR code sur les étiquettes des bouteilles d'huile Dinor. Téléchargez gratuitement un lecteur QR code, scannez le QR code sur l'étiquette de la bouteille d'huile Dinor et profitez d'un monde de privilèges dans l'univers Dinor et moi. Quel candidat a bénéficié des 15 minutes supplémentaires? Audrey, Christelle, Ange Delphine. Participez au quiz en scannant le QR code sur l'étiquette de votre bouteille d'huile Dinor. Plein de surprises et de magnifiques lots à gagner.